maneuver strategy. All right, I'm ready. My life for fire. Release the Kraken! Dominated. Take those positions. Ah, gold and legendary! Cheers, love! The cavalry team! You're gonna take you, Okudo! Lucinio, all that goes wide! Lucinio the follow-up! And he puts it in 2-0! Again, Overseal drops it, and Krenovi gets it in, tie game. Things you usually talk about at the same time. He's carrying it, Krenovi, he can put it in! It doesn't matter! High by Power are the RLCS champions. Can they get it all the way? It's going by the Panda! He puts it in! Now we have another best of seven. Finn, off the back door, Blitzside, your world champion for the land in Amsterdam! Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de Tactical Whiff, votre rendez-vous hebdomadaire pour savoir tout ce qui se passe dans les RLCS. Je suis votre animateur Max Beaulieu, à ma compagnie Guillaume Cadium Lavoie, mon collaborateur dans les sportifs du clavier et co-caster des tournois de Rocket League. Guillaume, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les RLCS, peux-tu nous faire une brève introduction de ce que c'est? Absolument, absolument, mon cher Max. Les RLCS, en fait, c'est simple et à la fois compliqué. Donc, les RLCS, c'est le championnat du monde de Rocket League, organisé par Psyonix directement, la compagnie qui a créé le jeu, en collaboration avec Twitch. C'est une structure de 4 mois, en fait, qui a commencé cette semaine avec les qualifications ouvertes, ce qui est un élément merveilleux de ce tournoi, puisque, effectivement, c'est un tournoi qui est ouvert à n'importe qui. C'est quelque chose qu'on a vu de très grande façon ce week-end avec plus de 3200 équipes qui se sont inscrites aux qualifications nord-américaines et près de 3000 dans les qualifications européennes. Donc, de ces plusieurs milliers d'équipes, on est maintenant à 64 équipes, 72 du côté de l'Amérique du Nord, puisqu'il y a quelques ajustements dont on va parler plus tard. De ces 72 équipes, on va passer dans quelques semaines à seulement 8. Et on va tomber dans ce qu'on appelle le League Play, c'est-à-dire en fait une phase de groupe qui va s'échelonner sur plusieurs semaines et qui va culminer au North American Championship et au European Championship, où on va passer de 8 à 6, puis à 4 équipes de chaque région qui vont se qualifier pour les championnats du monde en juin. Cette année, si je ne me trompe pas, pour la saison 3, il y a un grand changement majeur pour les Worlds. Oui, absolument. Il y a un changement de format, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle région qui a été introduite. Il y a 2 places qui vont être décernées à l'Océanie par le biais d'un tournoi qui n'a pas encore été annoncé. Donc, au niveau des championnats du monde, plutôt qu'avoir 8 équipes, on va maintenant en avoir 10. Donc, c'est un léger changement de format. Et c'est aussi une façon d'accéder rapidement au tournoi pour ces équipes-là qui n'entraient pas vraiment dans l'horaire de l'Amérique du Nord ou de l'Europe. Là. C'était difficile pour ces équipes-là lors des dernières saisons. C'est le fun, une nouvelle région. Mais on est ici pour parler un peu de nos Québécois. On avait plusieurs équipes qui nous représentaient. Pas beaucoup considérant le nombre faramineux d'équipes qui étaient inscrites pour cette première semaine des qualifications, mais on avait quand même 6 équipes québécoises qui étaient là pour représenter le Québec.
dont l'une des équipes les plus connues de la région en ce moment, championne du LAN ETS 2017 qui a eu lieu dernièrement, et j'ai nommé That's It Gaming ainsi que les finalistes qui étaient en opposition avec eux, Exotic Esports. On a aussi deux organisations ici au Québec qui sont quand même très connues et grandissantes. J'ai parlé de Diamond Gaming et Sky Gaming. Et finalement, on avait deux équipes un peu moins connues, The Fridge Network et Hardcore Québec, qui ont réussi à participer à cette première semaine de qualification. Nos équipes ont quand même bien paru pour certaines. D'autres l'ont eu un petit peu plus difficile. Malheureusement, pour Hardcore Québec, son tournoi s'est arrêté quand même rapidement. Ils ont été en mesure de jouer deux matchs et ont perdu leurs deux matchs. Donc, pour eux, ça a été une élimination quand même rapide et crève-cœur. Même chose pour Diamond Gaming, malheureusement, qui ont été capables de faire trois matchs et se sont ramassés dès leur premier match dans le lower bracket et ont été éliminés par la suite là, en deux matchs. Donc, malheureusement pour eux. Mais ils vont pouvoir se reprendre l'année prochaine, je suis certain. Et il y a DreamHack Montréal qui s'en vient, qui sait, peut-être vont être capables de faire une bonne impression là. Par contre, on a trois équipes qui ont passé les qualifications et qui s'en vont dans la semaine 2. J'ai nommé That's It Gaming, Exotic Esports et peut-être la surprise, The Fridge Network, une équipe qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais. Mais qui a... c'est la surprise surtout parce qu'on ne les connaît pas beaucoup, mais... De par leur parcours, c'est une équipe qui promet vraiment pour la suite des choses. Ils sont exactement à la même place que That's It Gaming, en fait. Si on parle un tout petit peu du parcours de ces trois équipes-là, en fait, il n'y a pas énormément de différence. La seule chose, c'est que Exotic Esports est la seule équipe qui n'a pas perdu à date dans les qualifications. Donc, ils sont dans le winner bracket à l'entrée de ce top 64. Alors que That's It Gaming et The Fridge Network sont tous deux déjà dans le lower bracket. Donc là, ça va être une forte commande pour les trois équipes parce que du côté d'Exotic Esports, on a beau être dans le winner bracket, on commence contre Nova samedi prochain. Donc Nova qui est une équipe qui est fréquemment classée là, dans le top 10, le top 12 des pronostics des professionnels là, pour le reste des qualifications, finalement. Donc, c'est une équipe qui a une bonne chance, malgré tout, là, de faire le league play. Donc, d'entrée de jeu, ça va être une bonne commande pour Exotic Esports. Et pour That's It Gaming et The Fridge Network, ça va être difficile parce que c'est un tournoi à double élimination, on l'a mentionné, et c'est pas double élimination à chaque semaine. Si tu perdais un match la première semaine, tu étais automatiquement classé dans le lower bracket la semaine d'après. Donc, ça va être très difficile pour eux. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est « perds une game, ton tournoi est fini ». Tandis que, comme tu l'as mentionné, Exotic, eux, ont une bonne chance puisqu'ils n'ont pas de défaite encore et qu'ils sont dans l'upper bracket. Mais ça va être très difficile face à Nova. De toute façon, la semaine 2, c'est là que le vrai tournoi commence, c'est là que les vrais qualifs commencent parce qu'on a des équipes comme Energy, comme Iris, ici en Amérique du Nord, qui sont des équipes qu'on connaît, des organisations. Genesis, Take 3, pour ne nommer que ceux-là, là, il y en a une panoplie et seulement 8 petites places pour passer. Donc, c'est un tournoi qui va être très relevé, qu'on va suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention ce week-end. Exactement. On l'a mentionné, normalement, ça aurait dû être un tournoi à 64 équipes pour la semaine 2, mais... Il y a eu des petites complications avec le site Smash.gg. On a commencé 3 heures en retard. Et à cause de ça, Psyonix a décidé de faire un make-up tournament, ou on peut l'appeler un make-up qualifiers. Si on peut traduire ça en français, c'est des qualifications d'excuses, si on veut. On essaie de se reprendre, de se racheter. Et Psyonix offre une chance. Si vous avez été disqualifié dans les deux premiers rounds, vous pouvez vous inscrire. Comment est-ce que les équipes qui vont s'inscrire au Make-up Qualifiers peuvent espérer se rendre dans maintenant ce qu'on va appeler le top 72? En fait, c'est à peu près de la même façon. Donc, les qualifications de la deuxième chance, là, appelons-les comme ça, c'est des tournois qui vont être à 512 équipes maximum, donc des tournois un peu plus petits. Ça va probablement donner la chance à des équipes un peu moins fortes de faire leur chemin aussi, puisque... Pour se faire une place dans le winner bracket,
comme toutes les autres équipes qui sont comme Exotic Esports. Il va falloir gagner ces tournois-là. Ouais. Et l'équipe qui va terminer deuxième, donc la gagnante du Loser Bracket, va faire son chemin dans le Loser Bracket comme The Fridge Network et That's It Gaming. Ce qui fait que la structure a un peu changé, mais ça n'a pas chamboulé les positions de nos équipes québécoises qui sont bien ancrées dans le bracket, n'ont pas bougé. Il y a juste The Fridge Network qui va commencer le tournoi en attente, puisqu'il va y avoir un match avant eux. Leur adversaire sera déterminé par, justement, un des qualifiés du tournoi principal et un des qualifiés du tournoi de la deuxième chance qu'on va voir cette semaine. Combien d'équipes en total peuvent s'inscrire dans ce tournoi de la deuxième chance-là? 512 maximum. Je doute qu'on atteigne ce maximum parce qu'il y a... Oui, il y a beaucoup d'équipes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de disqualifications, mais... Je ne suis pas certain que toutes les équipes vont revenir non plus parce qu'il y a certainement des no-shows légitimes parmi ces disqualifications-là. Ouais. On va voir. Il y a déjà une grande inégalité entre les quatre tournois. Il y a des tournois qui ont seulement 30 inscrits alors qu'il y en a un qui en a 80 et plus à l'heure où on se parle. Donc, c'est à voir pour la suite des choses cette semaine. C'est ce qui met fin à ce premier épisode de Tactical Whiff. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux et n'oubliez pas de nous écouter tous les jeudis 20h sur twitch.tv/lessportifsduclavier pour notre podcast où on parle de plusieurs sujets relatifs au e-sport. Merci tout le monde, à la prochaine.